Mieux vaut ne pas attirer l'attention ici. Ce vieux muet est encore en train de rôder. Ce vieux muet est encore en train de rôder. N'appartient-il pas à une famille riche ? Peut-être. Ça expliquerait pourquoi. N'appartient-il pas à une famille riche ? Peut-être. Ça expliquerait pourquoi. Je crois qu'il habite au domaine de Tarka. Nick Ennis, c'est Jerriot. Bédédouk à Nikrayet. Sur ordre de ce fétou, le couvre-feu s'applique au crépuscule. Rentrez chez vous! Ordre de ces fétous! Couvre-feu! Ah,
Sur ordre de ces fêtous, le couvre-feu s'applique au crépuscule. Personne dans les rues la nuit, par ordre de Sefetu. Rentrez chez vous, ordre de Sefetu. Couvre-feu. Nous ne sommes pas des guerriers. Tu peux prendre la prime pour ma tête. Je ne travaille pas pour ces fêtous. Je cherche Zervos, au nom de Harkouf. Bien. Je suis Zervos, le capitaine du port de Saïs. Forcé de me cacher sur mes propres quais. Que te veut ces fêtous ? Ce chien, il prend toute la ville à la gorge. Ses impôts nous tuent. Il a brûlé la ferme de mon cousin. C'est vrai ! J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai aidé les gens à cacher leurs marchandises. Sefetu ne peut taxer ce qu'il ne voit pas. Et il t'a percé à jour. Ces hommes ont attaqué mon commerce et ma maison. Mais mes archives sont sur ma felouque. Ils ne l'ont pas encore trouvé, mais ils ne tarderont pas. Je vais voir ce que je peux faire. Ma felouque est amarrée au quai de Saïs. Je préférerais qu'elle reste entière, mais... Sois prudent. Les hommes de Sefetu surveillent le port de près. Hein ? Souffrir.
attaque à vue par ici. Quelque chose ? Non, ce maudit Zervos cache ses registres aussi bien que sa personne. Continue. Si on trouve de quoi le faire pendre, Sefetu nous récompensera. Et si on ne trouve rien ? Il ira l'annoncer à Sefetu. Il ne sera pas content par ça. Alors, cherchons. J'aurais pas dû venir ici. Remuez-vous ! Venez par ici ! S'en est fallu vraiment. Montez, c'est loué. Allez, par ici. Loué, soit. Mangez tes boyaux. Mangez tes boyaux. Oh, dame. Ça. Tu n'as plus besoin de te cacher. J'ai pris soin de ta felouque. Les archives sont en sûreté. Tu as sauvé ma felouque. Tiens, prends ceci, tu l'as bien mérité. Tu as aidé tous ceux qui vivent ici. Les gens sont manifestement prêts à te soutenir, Zervos. Pourquoi ne pas attaquer ces Fetu ? Ce Fetu est trop puissant, trop cupide. Il sait que personne ne peut s'en prendre à lui. Nous ne sommes pas des guerriers. Ce Fetu s'entoure de soldats. Sa base de Fornikiu est équipée de balistes. C'est même moi qui l'ai aidé à les apporter. Kamon, veille sur toi.
force, Neo Jedian. Kech meno, lune skede. Moria spalaske vazma da dudane. Oran vulimi di mi chavestin in a xelertis. Malache. Ti simvanesti, pedes lexon mi. Oi, tis meisonos afrosinis. Oran vulimi di mi chavestin in a xelertis. Ti simvan, pedes. Lexon, Lexon! Je suis si heureuse que tu aies accepté de m'aider. Je vais te conduire chez toi. Ne crains rien. Oh, bien sûr. Merci, mon taureau. Tu ressembles à Héraclès. Je vais peut-être t'appeler mon Héraclès. Enfin, on change de cap, Héraclès. Hein? Ah, pas question. Petite, ma tâche est de te ramener chez toi. Je ne veux pas. Tu connais les prêtres d'ici. Quel ennui. Non, je dois aller au grand marché. J'ai entendu parler d'étoffes de Perse. Je veux en acheter. Sinon ? Je vais hurler. Ça attirera les soldats. Et là, même si tu leur survis, mon père te le fera payer. Canubis emporte ses pieds. Ce serait pas Sekhmet déguisé. Il me mettrait à l'épreuve. Hein ? Qui ça ? Rien. Bien. Allons d'abord chercher ma jument. On la traite de manière horrible quand je ne suis pas là. Oui, mais ils ont nos arbres aussi.
J'adore cette partie de la ville. Elle est si rustique. Ça se sent dans l'air. Les gens vivent simplement ici. Pégase est si impatiente de me retrouver. Tu as appelé ton cheval Pégase. Jeune maîtresse, quel plaisir de te revoir. Comme tu l'avais demandé, on a pris soin de ses pieds. Très bien. Était-ce si difficile? Et sinon, pour ma paix? Ton père m'a chargé de te ramener. Va te payer pour ton cheval. Je suis sûre que mon père serait mécontent que tu discutes de cela devant cet homme écuyer. Bien sûr, mais j'en parlerai à ton père. Oh, Pégase, je sais que je t'ai manqué. Oh oui, magnifique créature. Si seulement tu avais des ailes. Bon, en route, garde du corps. J'en ai assez. Je te ramène chez toi, princesse Kara. Oh, c'est toujours pareil avec vous, les grands taciturnes. On ne peut jamais s'amuser. Je devrais te laisser ici. Tu t'es engagé à me ramener, tu te souviens? Et si je partais? Cela pèserait sur ta conscience, crois-moi. Regarde, garde du corps. C'est là que j'ai eu ma première discussion avec un ami. Il a dû t'en être très reconnaissant. Nous devons aller acheter des étoffes au marché. Je vais te ramener chez toi, comme le veut ton père, pas ailleurs. Allez, avance. Tu sais que tu es en train de gâter mes chances de trouver les étoffes idéales? Il y a plusieurs sortes d'étoffes. Tu es plus sévère que mes gardes du corps habituels. Tu pourrais aller plus vite, garde du corps. J'ai un nom. Bayek? Enfin, tu te souviens de mon nom? Je me souviens de tous leurs noms, tu sais. Les noms de qui? Mes gardes du corps. Quand je le peux, j'envoie des cadeaux à leur famille. Kara? Kara? Oui? Ça te ferait plaisir si on allait chercher tes étoffes? C'est vrai? Bien sûr! Merci, Bayek. Tu as un regard intéressant. Merci. Nous approchons. Enfin. Ah, enfin des étoffes qui sortent de l'ordinaire. Oh, ce que c'est lourd. Tu veux bien m'aider? Reste ici, ne bouge pas. Hey. C'est ça, crève. Oh, ma belle. Il est temps de rentrer. Tu as dû manquer à ta peste de maîtresse. Pégase.
gaz. Ça me plaît. Joli nom pour un cheval. Je crois que tu plairais à Aya. Papa, comme Pégase boitait, Bayek a pris soin de lui. Il m'a à peine quitté. Ah, j'ai entendu du vacarme, mais selon ma petite princesse, tu es le héros du jour. Peut-on en faire mon garde du corps permanent? S'il te plaît, père. Combien cela coûterait-il d'embaucher un Medjay? Je ne compte pas m'éterniser ici. Dommage. Alors, permets-moi de récompenser dignement les services d'un héros. Bayek, tu reviens auprès de moi. Es-tu prêt à devenir mon Medjay personnel? Eh bien, non. Je continue. Tu vois... Ce que tu es crédule, Bayek. Je suis simplement heureuse de te voir en un seul morceau. Le meilleur garde du corps de la vie. Οράν βούλη με τη μηχανάστε ή να εξέλθεις.
Dégagez le passage, parole. Hors de mon chemin! Annonce une tempête. Bienvenue, bienvenue à Létopolis, le rêve du Grand Arc. Arrête, laisse-moi t'aider avec ça. Quoi? Je ne suis pas malade. Je suis étonné de voir une femme dans ton état travailler si dur. La venue d'un enfant est une bénédiction. Oh, je ne suis pas une fleur fragile. Oh, oh, tu as mal? Ah, c'est ma petite qui me rappelle qu'elle est là. Mes ouvriers sont un peu lents. Je dois sans cesse aller les surveiller. Permets-moi, Nivette. Anna,
dedouk a ni kreyet. Maître Taharqa, mon nom est Bayek, de Siwa. Je suis bien Taharqa, grand architecte de Saïs et régisseur de l'Étopolis. J'ai vu ta famille. C'est ta femme qui m'envoie. Elle dit que tu sais peut-être des choses sur le scarabée. Ce n'est pas le lieu pour en parler. Je n'ai pas envie que quelqu'un nous entende. Viens à l'intérieur et je te répondrai. Ton fils est très fier de ton travail. Tu lui manques. Il sera bientôt là. C'est mon rêve de voir mon fils et ses descendants marcher sur mes traces. Les rêves des grands hommes bâtissent le monde. De quoi rêves-tu, Bayek ? Ah, je n'ai pas le loisir de rêver. Je cherche le scarabée. Le scarabée s'en prend aux faibles. Il ne me menace pas. Tu n'as pas peur du scarabée, Taharqa ? Pourtant, après ce qu'il a fait au père de ta femme... Le sort du pauvre Koupa m'attriste. Quelle que soit l'œuvre de ma vie, quelle que soit ma responsabilité, je prie les dieux pour leur pardon. Maître Taharqa ! Ils attaquent de nouveau les ruines ! Bayek, viens te battre avec moi ! Ce bruit insistant est la voix de la tempête. Ces chiens du désert font de la tempête leur cri de ralliement. Ces pillards se servent de la tempête de sable pour masquer leur raid. Reste près de moi! Ne te laisse pas coutiner par ces chiens! Je ne vous laisserai pas détruire mon œuvre! Par ici! Repousse ces Nekesiadettes! Ils sortent de la tempête! Levez-vous et défendez vos maisons.
la tailler en pièces comme les crocs de ce mec. Bayek, viens avec nous. Je veux en finir avec ces chiens du désert. Grâce à toi, nous allons mettre un terme à leur règne de terreur. Je comprends ta soif de sang, Targ. Mais ces pillards ne m'intéressent pas. Je veux que tu me parles du scarabée. N'est-ce pas un insigne de Medjay que tu portes ? Ces bandits représentent une terrible menace pour le bon peuple de l'Étopolis. Chevauche avec moi, Bayek. Et lorsque nous aurons renvoyé ces chiens dans le désert qu'ils aiment tant, alors je te dirai tout ce que tu veux savoir. Très bien. Aujourd'hui, je combattrai à tes côtés. Viens, Bayek. Prends tes armes et joins-toi à nous. Loyaux serviteurs de l'Étopolis, nous allons débusquer ces pillards et arroser le sable de leur sang. Tu peux me dire à quoi tu joues ? Cette tâche que tu t'es imposée, elle semble impossible. Seuls les dieux savent ce qui est impossible. Et si je ne cherche pas à décrocher les étoiles, comment savoir jusqu'où m'en approcher ? L'Étopolis était une merveille, avant que le désert ne l'avale. Je veux montrer au monde, aux dieux, que les hommes peuvent tout accomplir s'ils y mettent leur âme. Peut-être as-tu été envoyé par les dieux pour m'aider à accomplir mon rêve. Tu es fort ? Tu as l'œil vif. Nous pourrions rendre sa gloire à cette région. J'ai ma propre tâche à accomplir. On verra si j'arrive à te convaincre. J'en cache. Pitié, Neb. Si tu as tant soit peu de cœur, libère-moi. Reste ici. Dès qu'ils seront morts, quelqu'un viendra te libérer. Tu as ma parole. On dirait que des brigands ont fait leur nid là-haut. Thank you.
ça, je suis trop facile. Tu as entendu? Ouvre l'œil, frère. Tu as entendu quelque chose? Je te remercie, Bayek. Avant que tu arrives, je croyais mon rêve condamné à mourir. Tu m'as donné la force de traquer et de tuer ces pillards. Qui étaient-ils? Des adorateurs de Sekhmet, la dame du massacre. Seul le chaos les intéresse. Sont-ils proches du scarabée? Non, ils se prennent pour des lions, mais ce ne sont que des charognards. Et maintenant, les voilà devenus charognes. Je vais ramener ce... Maître Taharqa, que Ptah vous bénisse, ainsi que le protecteur. Comment t'es-tu retrouvé ici? J'ai été enlevé par ces pilleurs sanguinaires. Je croyais que la route de Memphis était sûre. Elle l'est maintenant. Et je veillerai à ce qu'elle le reste. Bayek, tu as vu la tempête de sable? Entre, Père a dit que tu viendrais pour le dîner. Ravi que tu aies fait bon voyage, Maharet. Oui, les dieux ont béni notre périple. On a vu des vautours, et une hyène, et tout ce sable. Assez de sable pour remplir une vie. Voilà pourquoi il nous faut tant d'hommes pour accomplir notre tâche. Et que promets-tu à ces hommes, Taharqa? Une parcelle de terre et une maison à leur nom, à condition qu'ils les reprennent au désert. C'est tout? Ils doivent déterrer leur maison. Ce n'est pas une tâche si facile. Nous devons tous œuvrer pour honorer les dieux. Les gens savent que mon père dit vrai. Et tu as bien raison de l'honorer, Kawab. Au sauveur de l'Étopolis. Partageons ces quelques dattes au miel. Et... Tout va bien, Bayek? Les dieux te maudissent, Taharqa. Jusqu'à ton dernier jour,
c'est nous. Aya, où es-tu, mon amour? Kemu, je n'ai pas su. C'est bien. Mon cheval. Les dieux te protègent. Sans armes, ni armure, ni argent. Par où commencer? Vite, avant que le vent n'ait effacé les traces. D'abord, les armes. Ensuite, le scarabée. Celui qu'on a enterré? Deux jours? Il a l'air robuste. Je te parie ce que tu veux, mais tel qu'il est parti, il tiendra au moins 3 jours. Ils auraient dû rester dans l'ombre.
Hein, mais que... Quoi?
m'entendez? Baba! Epui! Je suis là! Tout va bien? Je suis blessé à la jambe. Je sais pas si c'est grave. Et Baba? Je sais pas! Que s'est-il passé? Le tunnel s'est effondré. Epui et Baba sont coincés à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es assez fort pour... Pouvoir dégager un passage. Pardonne-moi de devoir tuer tes frères. Il n'y a pas d'autre solution. Hé, t'es blessé ? Je me suis tordu la cheville. Mon frère Baba travaillait beaucoup plus loin. Le tunnel s'est écroulé. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Je vais déjà te sortir de là, et j'irai le chercher. Attention. Il m'a semblé entendre des sifflements là-dedans. Gnum mesni ojediandr? Oui, je vais prendre le relais. Tu dois y retourner pour retrouver Baba. Dépêche-toi, il est peut-être blessé, ou pire. Occupe-toi de lui. Je vais chercher ton autre frère. Merci, Neb. Blessé ? Non. J'ai réussi à me faufiler ici juste avant l'éboulement. J'ignorais l'existence de ce lieu. On creusait pour rejoindre le fleuve. Cet endroit devait faire partie du vieux temple. Tu as besoin d'aide pour sortir d'ici ? Ça ira. Je vais retrouver mes frères et me reposer un peu. Quel est cet endroit ?
Je te vois maintenant, hors de l'ombre. Moi ? Je ne suis jamais caché. J'ai toujours été sous tes yeux. Mais tu n'as pas su me voir. Tu n'es qu'une poussière. Que le temps finira par. J'ai vraiment cru que ton seul but était de faire le bien. Le bien ? Le mal ? De simples spectres du désert. Bien d'autres que des mirages, tout comme toi. Bientôt, seule ma vision demeure. C'est bien d'être prudent par ici. Je suis prêt. Bonjour. Moi ? Tu vas crever ! Pourquoi t'en tirer comme ça, papa ? Mangez tes voyous ! Tu ne dureras pas longtemps.
C'est donc ainsi que meurt un rêve. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Goupa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux. Nul n'y échappe. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'ordre des anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Où le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis comme du sable. Prends soin de lui. Si tu peux, essaie de lui expliquer. Quelles horreurs as-tu fait entrer dans ma maison? Tu étais aveugle. Mais désormais, tu dois ouvrir les yeux. Ton mari était le scarabée. Il était coupable. Il a battu et il a torturé ton père. Et d'autres gens avant lui. Non! Tu dois désormais élever ton fils dans la lumière. Loin du sang. Et des ombres répandues par ton mari. Pardonne-moi, mon fils. Bonne nouvelle, Leila. Le séquençage est terminé. Tu peux te synchroniser avec les mémoires d'Aya. Elles sont assez fragmentées, mais tu devrais pouvoir t'y plonger un petit moment. Mon esprit ne te quittera pas. Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Kamoto, Phoxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert? Si ce coffre ne parvient pas à pomper, ce navire non plus. S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer. Très bien. Au travail, bande de Vlakos! Damastès, mon fidèle porteur de bouclier, active-toi! On nous a engagés pour soudoyer Pompée, pour sauver une reine et gagner un royaume.
rien d'inhabituel pour des mercenaires. Doucement! Il y a des récifs devant! J'ai des yeux, je les ai repérés. C'est ton troisième voyage et tu donnes déjà des ordres! J'adore te voir baver dans ta barbe, Foxidas. Tâchons de ne pas finir dans l'eau, ce serait une mort indigne pour un héros de ma trempe. Un vrai héros saurait se sauver en nageant. Rassure-toi, je n'aime pas prendre des risques inutiles. Là, tu essaies seulement de m'impressionner. Des voiles à l'horizon, là-bas! Ce ne sont pas les couleurs de Rome! Dans quel guépier nous a entraîné cette reine vérolée? Des navires de Ptolémée, envoyés par l'ordre des anciens. Et que peuvent-ils vouloir à Pompée? Les armées de Pompée offriront le trône à Cléopâtre. Leur objectif est d'empêcher cette alliance. Nous devons faire vite. Plus vite, c'est nous! Par la barbe de Poséidon, l'air est déjà chargé de fumée. Près du volcan, les eaux bouillonneront. Nous devons rester à distance si on ne peut pas voler. C'est le Métana? Cela fait des siècles qu'il est endormi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il... Tenez-vous prêts! Montrons à ces traîtres qu'ils ont choisi le mauvais pharaon! Plus d'allure! Plus vite! Plus vite, mes frères! Augmentez la cadence! On nous tient une pluie de feu! Sortez les boucliers! On nous tient plus de feu! Plus vite, c'est nous! Augmentez la cadence! On nous tient dessus! Allez, plus vite! Plus vite! On va les déprôner! Plus vite, mes frères! Plus vite! On va les déprôner! Ok! Les navires s'approchent à grande vitesse! Plus vite, c'est nous! Chemin pour le premier dessus. Je suis comme je suis. Je me moque de ces flaccos de rois et de reines. J'ai quitté ma femme et mes enfants à cause de ça. Je désespère les gens de raison. Moi, tu me conviens. Tu nous conviens. Oh là là ! La reconnaissance de ces braves notailles me suffit. Ce n'est jamais facile de dire adieu à ceux qui nous rejettent. Mais c'est la seule voie qui s'offre à nous. Vraiment ? Pompée sera à l'endroit.
voie continue au large de Fira. En route. Accrochez-vous! Augmentez la cadence! Je le vois! Pompez ces routes au nord! Doucement! Il y aura sans doute des patrouilles. Tu me donnes l'ordre d'éviter le combat? Parades, femme, bien sûr que non! Mais j'ai pas envie de mourir en protégeant un Romain. Surtout un de ceux qui ont de quoi se protéger. Tu sais, toi, tu devrais rejoindre l'équipage de... Bombe incendiaire parée! Lance-les quand nous serons tout prêts! Je ne me suis jamais retrouvé face à l'un de ces généraux romains. Quoi ? Ne me dis pas que tu aimes ces enfants, putain ! La guerre civile ravage l'Égypte et une trirème de mercenaires vient à mon aide. En plein conflit avec César, c'est étrange tout de même. Parades, qui êtes-vous ? Nous aurions pu te laisser mourir. Pompeius Magnus. Salutations et bienveillance de la reine Cléopâtre. Cléopâtre offre de l'or pour s'assurer mes faveurs une fois que j'aurai Rome. Est-ce là toute la bienveillance de ta reine ? Quel visage vois-tu sur cette pièce ? Les Romaines ont-elles droit à un tel honneur ? Une alliance avec Cléopâtre est une véritable union de pouvoir. Elle ne veut pas d'un simple allié. Elle cherche un roi. Une amitié précieuse, alors. Entendu ! Ma flotte fera bientôt voile vers l'Égypte.
Thank you.